coup, là. En fait, j'étais en train de me dire, enfin, je disais à Arthur, que à chaque fois que je commence un vlog, je crois que je vais montrer ma vieille tête du matin. Et là, c'est encore plus une vieille tête du matin, parce que je suis encore dans le lit. Parce que devinez ce qu'il a fait pour moi. Alors, je suis touchée, j'ai pleuré là, l'émotion monte. Il m'a fait un petit déjeuner au lit. Mais comme je suis pas une youtubeuse et je suis toute nulle, ben, je vais filmer après avoir mangé, évidemment. Mais je l'ai pris en photo, je mettrai là, écoutez, parce que ça m'a charmée quand même. Alors en plus, il avait même fait des œufs brouillés parce que j'avais trop envie d'œufs brouillés. Mais je me suis rendormie, donc j'avais pas compris qu'il avait fait des œufs brouillés. Et là, quand je me suis levée, il fait petit déjeuner. Et je me suis levée, je fais oh, t'es œufs brouillés. Donc j'étais trop contente du café. J'ai mangé mon bon petit. Comment? Chausson aux pommes. Parce que j'adore ça, les chaussons aux pommes. Et voilà. Bon, vu comme ça donne pas très envie. Mais quand c'était encore rempli, ça donnait très envie. C'était très bon. Programme of. Oula! Programme of the day. On va aller au marché de Saint-Ouen, parce que pour ceux qui sont pas au courant, on déménage ensemble et on aimerait bien trouver des petits meubles un peu vintage, tout ça, mais je crois que ça coûte la peau des fesses là-bas, donc on va sûrement rien acheter, mais on va aller voir parce que ce qui paraît c'est très beau et on aimerait bien trouver un buste en marbre. Oui, voilà, super, on a 20 ans et 22 ans, mais on veut un buste en marbre comme les vieux, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est super stylé, donc à mon avis ça va coûter la peau des fesses, donc on va pas en prendre tout de suite, mais on va aller voir, voilà. C'est bon, je suis make-upée, je suis prête à y aller. J'ai même pensé à prendre mes lunettes de soleil. Alors là, c'est incroyable, ça annonce une bonne journée parce qu'à chaque fois, je les oublie. Alors, outfit of the day. Oula, j'ai un petit bug là. Outfit of the day. Encore le même pull que la dernière fois. Pas très original. Encore une veste kaki, mais pas la même. Là, c'est un manteau. Et après, pour les chaussures, je vais montrer ça. On a pris des petites baskets pour être à l'aise et un petit genre pantalon legging. Bon, d'habitude, je porte pas trop ça, mais pourquoi pas. Et voilà. Vraiment se maquiller comme si j'allais en soirée. Ça se voit pas trop avec la lumière là. J'ai l'air un peu dégueulasse quand même. J'ai même mis de petites highlights. Regardez-moi ce ciel bleu. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte de voir Saint-Ouen. Je sais pas trop si on m'entend en vrai. Je pense avec ma vieille voix on doit m'entendre mieux. Il y a pas un nuage. Genre vraiment. Bon bah on arrive, ça commence déjà les petites boutiques tout ça, je vais prendre une petite vidéo et je vous montrerai tout ça. C'est marrant parce que je vois plein de trucs que ma grand-mère elle a déjà genre chez elle et tout, donc c'est drôle. Bah, franchement j'avais... Oula mais j'ai une tête, c'est impossible. Bon, on va dire que j'ai pas beaucoup dormi. En fait je pensais que ça allait être un peu plus cher que ça parce que c'est monté en popularité et tout, mais en fait non, pas du tout. Il y a plein de trucs, ça dépend en fait ce que vous cherchez, mais par exemple là il y a ma miroir, elle est à 1 200 €, mais à côté ça avait une jolie petite coupelle en porcelaine made in France qui était à 10 €. Donc en fait il y a vraiment de tout pour tous les budgets et ça c'est quand même super. Ça me fume parce qu'on a été dans une boutique, donc il y avait plein de comment d'articles de luxe, mais genre bijoux, manteaux, tout ça. Et il y a une dame, le monsieur lui fait ouais, non, moi je te le vends à 100 €. Et là, elle regarde, fait ah non, à 50 je le vends pas et tout. Et du coup, le monsieur, je pense qu'il se connaissait en fait, parce que j'ai l'impression que tout le monde se connaît un petit peu ici. Il fait ok, 50 €, mais tu payes direct. Et du coup, bah, je pense qu'elle va le prendre quoi. Mais pour ça, genre, si quelqu'un vous dit 600 €, bah vous lui dites non, parce que 600 € c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Enfin, ça dépend de l'article évidemment. Mais du coup, il faut vraiment négocier parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Regardez-moi comme c'est trop beau. On dirait on va, je sais pas, dans un salon de thé. Ou pas du tout, en fait. C'est pas, ça fait pas du tout arabique, mais je sais pas, c'est trop stylé l'entrée comme ça. On dirait on va au paradis. Vraiment, je vous jure, si j'avais la place, j'aurais un machin comme ça, là, chez moi, pour lire, alors que je lis jamais, ça serait parfait. Mais regardez-moi ce lit de princesse. Genre, bon, faut avoir... 5 mètres de hauteur, même 10 mètres de hauteur. Mais regardez comme c'est magnifique avec le satin comme ça là. Oh, incroyable. Bon, c'est peut-être un nid acarien, effectivement. Mais c'est magnifique. Bon, on vient de se faire virer d'un endroit. En fait, on était en train. Moi, j'étais sur mon téléphone et tout, chercher un truc. Parce que j'ai vu un truc, je peux t'acheter. Et je regardais là, en fait, son réel prix, voir pour pas me faire arnaquer, quoi. Et du coup, j'arrive dans un espace où il y a une fille qui vend des trucs. Et là, j'éternue. Elle fait. Elle fait à Arthur, ouais, vous cherchez quelque chose? Et Arthur répond, bah non. Et après, elle me fait, et vous là? Je fais, bah non, je suis sur mon téléphone. Elle me fait, ouais, bah déjà, vous portez pas le masque. Alors on est en extérieur, hein, donc je fais, ouais, vous portez pas le masque. Et là, j'éternue.
Oh là là, la fille, nous c'était fait. Ouais, bah moi je vais vous demander de sortir hein, parce que là ça va pas le faire et tout. Déjà, si vous êtes votre téléphone, vous portez pas votre masque, vous êtes vraiment mal élevé. Et du coup, il nous a viré de son truc. Bah ok, meuf, si c'est éternel, c'est parce que peut-être un peu trop d'acariens dans ta boutique, excuse-moi. Regardez-moi ce lustre de rêve, c'est magnifique comme ça là, avec le cristal. Bon, j'ai pas trop la place, mais c'est vraiment magnifique. C'est exactement le genre d'intérieur que je veux. Alors oui, je suis très old school, on va dire. Mais regardez-moi ces photos avec les détails et tout, même les couleurs, c'est magnifique. C'est doré comme ça, on pourra à Versailles. C'est magnifique. Hop, on est venu voir ça aussi, c'est une soucoupe. Et à l'intérieur, on croirait pas, mais ça fait 70 mètres carrés. 60-70 mètres carrés, ces choses-là. C'est super sympa. Peut-être qu'on peut aller dedans, je vais aller voir, mais je pense pas. Hein. Bon, bah c'est carrément fermé là, on peut rien voir du tout. Regardez ce que je viens de trouver. En fait, c'est des petites cartes qui étaient achetées à l'époque. En fait, quand on... je pense que c'est parce que les gens ils n'avaient pas les moyens d'acheter des cartes encore. Du coup, il y a plein de petites cartes comme ça. Genre là, c'est le musée Grévin, Dieppe. C'est incroyable, c'est super mignon. Par contre, je tourne en boucle, je suis choquée comme je sais pas quoi depuis tout à l'heure. Là, je fais que dire à Arthur, je suis choquée. Mais j'ai vu une boutique où il y a la soucoupe, là, en début de la vidéo. En fait, où ils vendaient beaucoup de sacs Chanel. Et il en a vendu un, là, il n'y a pas longtemps, un Timeless tout neuf à 2 500 €. Franchement, bon, j'ai pas les moyens. En ce moment, c'est pas fou. Mais franchement, même si j'ai pas les moyens, je suis sûre que j'aurais sauté dessus parce que c'est quand même incroyable. Un Timeless à ce prix-là, c'est pas du tout cher. Et en plus, il y avait aussi des ballerines Chanel, mais malheureusement, c'est du 40,5, neuf. Hein. Et elles étaient à 450 €, alors que là, en ce moment, en boutique, c'est 810. Donc, c'est vraiment incroyable. Bon, en fait, en grappillant les escaliers, on voit un petit peu quand même comment ça se présente à l'intérieur. C'est hyper vintage, c'est super cool. Dommage qu'on puisse pas aller à l'intérieur. C'est l'heure d'aller manger, on a trouvé ce petit endroit, c'est super beau. Ça a l'air trop bon, n'est-ce pas? Oui. Miam. Alors là, on arrive dans un troisième lieu des puces en fait. Elle est assez connue celle-ci, c'est un peu les puces de luxe si on peut dire. Regardez-moi les lustres de dingue, c'est incroyable. Ben voilà, on va rentrer là parce que franchement il fait super super froid. On n'a pas vu grand chose en fait parce que effectivement c'est super cher. Donc on préfère rentrer, on verra peut-être une prochaine fois pour trouver quelque chose d'autre, de plus satisfaisant on va dire, parce que pour l'instant on n'a pas vu grand chose. Et dès qu'on voit quelque chose en fait c'était 500 € et tout, donc c'est quand même cher, hein. Franchement c'est quand même cher, mais on verra effectivement quoi.